Salam alaikum. Cette capsule présente la suite du cours sur les constituants chimiques de la cellule. Cette fois, on va entamer le deuxième composé de ces constituants, c'est les lipides. Du point de vue chimique, les lipides sont des esters d'acides gras et d'alcool. Cette formation d'esters peut être illustrée par la réaction suivante. Nous avons une molécule d'acide gras caractérisée par sa fonction carboxylique et son radical R, la chaîne latérale, et une molécule d'alcool caractérisée par sa fonction alcool hydroxylique et son radical R, hein, ou bien la chaîne de carbone. L'association de ces deux molécules forme un ester, hein, qui est un lipide avec le départ d'une molécule d'eau. Les lipides sont donc des macromolécules organiques qui sont solubles insolubles, pardon, qui sont insolubles dans l'eau, mais solubles dans plusieurs solvants organiques, comme le benzène, le chloroforme et l'éther. Les lipides se divisent en deux types. Nous avons donc les lipides simples et les lipides complexes selon leur composition chimique. Les lipides simples sont composés uniquement du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et ils sont distribués dans l'une des trois familles ci-dessous, soit les glycérides, soit les stérides, soit les céride. Les glycérides sont des esters d'acide gras et d'un alcool qui est le glycérol. Les stérides, ce sont encore des esters d'acide gras et d'autres types d'alcool qu'on appelle les stérols. Ce sont des alcools polycycliques. Et nous avons les céride, qui sont des esters d'acide gras et d'alcool de longue chaîne latérale. Les lipides complexes contiennent, en plus du carbone, d'hydrogène et d'oxygène, d'autres éléments minéraux, comme le phosphore, le soufre, ou bien des éléments, ou bien des molécules, ou simples molécules organiques, comme les os, un alcool, un acide aminé, etc. Et nous avons des exemples des lipides complexes, comme les glycérophospholipides, les sphingolipides et le glycol phosphate. Les acides gras, comme leur nom l'indique, ce sont des acides carboxyliques, hein, à longue chaîne hydrocarbonée. Et nous avons encore ci-dessous trois exemples, hein, de ces acides gras, hein, qui sont caractérisés par la fonction carboxylique et une longue chaîne carbonée que vous avez ici. Nous avons donc l'acide stéarique avec 18 carbones, l'acide palmitique avec 16 carbones et l'acide oléique avec 18 carbones. Et il existe dans les systèmes biologiques des centaines d'acides gras qui sont différents, bien sûr, par la composition de leur radical R. Certains de ces acides gras, ou bien les molécules d'acides gras, peuvent porter une ou plusieurs doubles liaisons au niveau de leur chaîne carbonée. Ils sont dits, acides gras insaturés. Et d'autres qui ne portent aucune double liaison dans leur chaîne carbonée sont dits des acides gras saturés. Donc, double présence de double liaison dans la chaîne carbonée, on parle d'acides gras insaturés. Pas de double liaison, on parle d'acides gras saturés.
Ci-dessous, nous avons l'exemple de deux acides aminés. L'acide oléique, hein, qui est un acide gras insaturé, et l'acide stéarique, qui est un acide gras saturé. Avec ces deux acides, nous avons le modèle compact du premier acide et le squelette carboné, bien sûr, de l'acide oléique. Et à côté encore, le modèle compact et le squelette carboné. Par la présence de la double liaison au niveau du squelette carboné de l'acide oléique, on distingue qu'elle constitue une sorte de coude au niveau de la chaîne carbonée. Ça veut dire un léger plissement sur le squelette carboné et bien sur le modèle compact. Par contre, au niveau de l'acide stéarique, qui est un acide saturé, vous avez la chaîne carbonée, elle est bien droite, ainsi que le modèle compact. Bon, nous avons encore ce qu'on appelle des triglycérides. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, les acides gras sont souvent stockés comme réserve d'énergie des graisses par des liaisons esters avec le glycérol pour former des triglycérides. Et nous avons ci-dessous encore le squelette carboné du triglycéride et à côté nous avons le glycérol, l'alcool. Alors comment il se forme ce triglycéride? Nous avons donc notre alcool avec trois fonctions alcool, hydroxylique, sur lesquelles vient se fixer un acide gras sur chacune de ces fonctions en formant trois esters. Vous avez donc le premier ester, le deuxième ester, le troisième ester. Donc, formation de trois glycérides, d'où la nomination triglycérides. Donc, après, on passe à la formation des agrégats lipidiques. Les agrégats lipidiques désignent un assemblage hétérogène de molécules lipidiques ou de substances lipidiques, telles que l'exemple que nous avons ici. Et ils se forment, ces agrégats, lorsqu'il y a mélange d'eau et de substances lipidiques. Ainsi, les agrégats peuvent former soit un film superficiel à la surface du mélange, c'est-à-dire une couche à la surface du mélange, soit la formation de petites micelles qui sont des gouttes circulaires des molécules lipidiques. La cause de cet effet ou de ce résultat, c'est que les acides gras, dont le modèle moléculaire compact est le suivant, présentent deux parties, la tête de la molécule et la queue de la molécule. La queue représente la chaîne hydrocarbonée, la tête présente la fonction carboxylique. La queue est donc hydrophobe, la tête est hydrophile. Hydrophile, hydrophobe, ça veut dire l'attraction de ces deux parties vis-à-vis de l'eau. Hydrophobe, c'est-à-dire échappe de l'eau, ou bien il n'aime pas l'eau. Hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, ou bien il absorbe de l'eau.
C'est ainsi qu'on observe ici, sur son modèle, que les molécules ont la tête en contact avec l'eau, la queue est en dehors de l'eau, sur la couche. Par contre, sur la goutte, vous avez la tête toujours en contact avec l'eau, la queue est en contact avec l'air, il crée une goutte pleine d'air ici, avec la queue qui échappe de l'eau. Dans les systèmes cellulaires, les dérivés d'acides gras peuvent former de grands agrégats qui sont maintenus par des forces hydrophobes. Et nous avons ci-dessous deux exemples. Les triglycérides qui forment de grosses gouttelettes sphériques de graisse dans les cytoplasmes des cellules. Ces gouttes, ou bien ces gouttelettes, peuvent avoir un diamètre de 200 nanomètres ou plus. Et le deuxième exemple, c'est celui des phospholipides et des glycolipides qui forment des doubles couches lipidiques à fermeture automatique et qui sont à la base de la constitution, bien de la formation de toutes les membranes cellulaires. Et vous avez là la double couche de phospholipides. Le système cellulaire contient plusieurs types de lipides simples et on peut distinguer d'autres types de lipides tels que les stéroïdes et les polyisoprénoïdes. Et tous deux, ils sont constitués d'unités isoprène. Lorsqu'on dit constitué d'unités isoprène, ça veut dire que la molécule est formée d'une succession d'isoprènes, dont voici la formule chimique. Les polyisoprénoïdes, comme le nom indique, sont constitués donc de plusieurs isoprènes, c'est-à-dire que la molécule ou bien la chaîne carbonée très longue de la molécule est formée d'un polymère d'isoprène. Et c'est l'exemple de glycol phosphate que nous avons ici. Et puis, les stéroïdes sont aussi des molécules qui ont une structure pluricyclique commune. Pluri, ça veut dire plusieurs cycles communes, comme le cas du testostérone. C'est l'hormone stéroïdien mâle. Et vous avez ici l'unité pluricyclique, et nous avons le cas du cholestérol trouvé dans de nombreuses membranes et qui possède cette structure pluricyclique. Les lipides complexes, comme on vient d'expliquer au début, sont constitués en plus du carbone, l'hydrogène et l'oxygène, d'autres éléments minéraux comme le phosphore, l'azote, en plus de molécules organiques simples comme la sérine qui est un acide aminé, la choline qui est un alcool aminé, ou bien d'autres alcools, ou bien un os, un sucre simple. Les lipides complexes possèdent un ont plusieurs groupements très polaires, c'est-à-dire des groupements ionisés ou bien chargés. Et pour l'illustration de ces lipides complexes, nous avons l'exemple de phospholipides, qui sont des constituants fondamentaux des membranes cellulaires,
c'est-à-dire qu'on les retrouve dans toutes les membranes du système cellulaire. Ci-dessous, nous avons les exemples de modèles compacts et le modèle squelettique. Bon, ici nous avons le modèle compact du fast-food, du phosphatidyl choline. Alors, sur cette molécule, on distingue la tête polaire, la queue hydrophobe, hein. Et on voit ici sur la queue, bien sûr, la molécule compacte d'acide gras. Alors, lorsqu'il est linéaire, ça veut dire que c'est un acide gras saturé, pas de double liaison. Lorsqu'elle présente un coude, tel que le deuxième bras que vous avez là, c'est-à-dire que c'est un acide gras insaturé, elle présente donc une double liaison. Et puis, nous avons à gauche le modèle squelettique d'un phospholipide et qui montre les différentes parties dont il est composé. Nous avons donc l'alcool qui est un glycérol sur les deux fonctions alcool du glycérol sont fixés les acides gras. Leur chaîne carbonée représente la queue de la macromolécule. Sur la troisième fonction alcool, il fixait l'acide phosphorique, lui-même fixé à une molécule organique simple, capable d'être chargée. Ce qui fait que nous avons dans la molécule la tête polaire hydrophile, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau, et la queue hydrophobe, c'est-à-dire qu'il échappe de l'eau. Alors ici nous avons quatre exemples de macromolécules de phospholipides qui sont retrouvées dans les membranes plasmiques des mammifères et qu'ils ont quatre types de groupements présentant des symboles différents. Voici le modèle compact de ces quatre molécules qui montre leur polarité, hein, certains qui ne portent aucun signe, c'est-à-dire entre les charges il y a une neutralité, alors que d'autres peuvent porter soit une charge négative, soit une charge positive, hein, et d'autres bien sûr qui sont neutres. Sur ce modèle, ou bien ces modèles compacts, nous avons donc la queue qui montre les acides gras qui sont intégrés dans les macromolécules, puisqu'ils sont saturés ou insaturés. Lorsqu'il y a toujours un coude, ça veut dire que l'acide gras est insaturé. Avec les modèles squelettiques, on distingue que les trois premières molécules dérivent du glycérol, puisqu'ils ont dans leur constitution comme alcool le glycérol, hein, ici, bien sûr, qui est lié par la troisième fonction alcool à l'acide phosphorique, hein. L'acide phosphorique lui-même est lié à une molécule simple chargée. Hein. On distingue ici l'éthanolamine, d'où le nom de phosphatidyl éthanolamine. Ici, nous avons
la sérine, un acide aminé, d'où le nom de phosphatidylsérine. La troisième molécule, nous avons la choline, qui est un alcool aminé, et d'où le nom encore de phosphatidylcholine. La quatrième molécule, est une sphingomyéline, dont l'alcool, ici, est la sphingosine, qui est un alcool avec deux fonctions alcool, tout simplement, et une fonction amine sur laquelle vient se fixer un acide gras, et puis l'acide phosphorique sur l'une du fonction de la sphingosine, le phosphore, ou bien l'acide phosphorique lui-même est lié à la choline, ici, et qui permet de former donc une molécule complexe qu'on appelle la sphingomyéline. Ce sont donc quatre types de phospholipides complexes qui sont des constituants majeurs des membranes plasmiques des mammifères. Avec ceci, on s'arrête avec les lipides.